est ta sœur, la terre est ta mère. Tu es ma vie. Dis-le, hey yo. Moi c'est Théophile, rappeur, membre du collectif du SAS. Je fais du rap depuis 2 ans, j'ai sorti 3 projets sur SoundCloud et YouTube et c'est magnifique. Moi en gros je m'appelle Antonio Tamayo et mon grand-père il s'appelait Antonio Tamayo aussi. Et en gros il faisait de la musique et tout, j'ai même des vinyles de lui. Et genre son blaze d'artiste c'était Théophile. Et du coup ce qui s'est passé, j'ai repris le flambeau en fait parce que Tonio s'était déjà pris. Le style que je te dirais mec c'est rap de chambre. Parce que comme tu peux le voir depuis que vous êtes arrivé ici, vous voyez toute la chambre et tout. Et genre tout ce qu'il y a sur le mur, sur le sol, sur les tables et tout, c'est mon univers. Du coup c'est ce que je m'inspire, il y a des films, il y a des mangas, il y a de tout. Du coup il y a Briquet Violet, projet 100% lycéen quoi, époque lycéenne. Du coup je racontais tout ce qui se passait au lycée et tout. Du coup que ce soit les embrouilles, la fumette, tout ce que tu veux tu vois. Insulter les CPE aussi, genre ce genre de bail. Et j'ai sorti Bal de Sad Boys, qui était vraiment l'après lycée tu vois. Où genre quand je me suis déscolarisé j'ai fait 100% de la musique. Et j'ai fait, j'ai sorti un projet de 4 sons du coup. Et pour moi personnellement c'est le meilleur que j'ai fait. Genre, ça compte plein de délires différents. Et c'est ça que j'aime en fait. Du coup aller écouter Bal de Sad Boys en fait. J'ai commencé le rap déjà parce que je me faisais chier au collège. Et genre en gros j'étais en art plastique et tout. Et genre à l'ancienne t'avais Niska, il avait sorti Commando. Et il avait fait un freestyle où il disait tous les titres de sa tracklist sur le freestyle. Ah bon, maintenant c'est comme ça, les clients se grattent, il faut que j'appelle à Medellin. Garçon, on voit le yo-yo, fleuri au DM, les charros, on fait des crises. L'addition est salée, si tu joues les hagas, la petite du coin va te monter en relais. Et en gros, moi j'avais fait ça, mais avec les lignes de métro. Mais c'était des trucs éclatés, genre Labi ne fait pas le moine à Sainte-Anne, on va te shooter comme Kennedy. Bing bing. Pourquoi tu t'acharnes? Déjà, c'est le premier tatouage que je me suis fait, du coup, je vais essayer de le montrer à la caméra, furtivement. Et du coup, en gros, ça représente le cycle de la vie. Le matin, tu te lèves à 4 pattes, tu marches comme un enfant, etc. Et en gros, 4-2-3 paradis, c'est le cycle de la vie du paradis. C'est un peu bidon, mais c'est plus en mode, à la fin, tu vas atterrir au paradis, c'est un peu un délire de havre de paix. C'est-à-dire, quand tu vas mourir pour, on va dire, les croyants, soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Mais du coup, là c'est plus, pendant que tu vis ta vie, tu vas essayer de vivre une sorte de paradis, tu vas essayer de faire tout pour que ta vie soit bien en fait. Que tu sois heureux, que tu aies une famille, que tu fasses tout ce que tu veux. À ce moment-là, j'étais un peu dans une mauvaise passe, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, je vais appeler le projet comme ça. J'essaye de raconter un peu ce délire-là. Cette espèce de bail qui fait que j'ai envie que ma vie soit un peu heureuse. C'est simple, mec, je suis tombé amoureux. Non, en vrai, ouais, mais sérieusement, l'ancienne, j'étais déprimé, mais genre vraiment. Genre, j'essayais de me repenser au passé, genre à mes années lycée et tout. Et en fait, le bail, je me suis dit, en fait, si je fais des morceaux positifs, ça aurait de la positivité sur moi, tu vois. Du coup, j'ai fait plein de morceaux positifs avec des délires différents. Plage Saint-Michel, c'est de la pop. Des Mars, c'est plus un banger, mais un peu mou, quoi, un peu classique, tu vois. Un peu 47 Terres. J'aime pas 47 Terres. Ça devait être un morceau basique en fait, avec une prod. C'était un son de Trainspotting, du coup, je sais pas, j'avais pas reçu l'instru. Et j'étais déprimé à ce moment-là, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais parler un peu, tu vois. Genre, je vais enregistrer et tout, tu vois. Du coup, j'ai parlé, tu vois, pendant 2-3 minutes, je savais pas quoi en faire. Et au final, je me suis dit, ça peut être parfait, tu vois. Tout simplement, tu vois. Et puis, Métro Anglais, c'est plus une référence à un voyage que j'ai fait en Angleterre et tout. J'ai pris une photo d'un métro. La photo elle avait bugué et tout, j'avais trouvé ça grave kiffant. Il y avait plein de gens de tous les horizons différents. Et il y avait des riches, des pauvres, des net blacks, des rebeux, des blancs, des babtous, tout ce que tu veux. Voilà quoi, c'est un métro unifié, le métro de la paix. Le regard des gens, avant ça m'atteignait, mais tu te rends compte que les gens ils te connaissent pas en fait. Et que tu es la seule personne qui te connaisse vraiment. Comme dans ce métro anglais. Je cherchais sur, je sais pas, je commençais à écrire tout sur la prod. Et je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé le nom de plage bretonne. Et plage Saint-Michel, mon gars, c'est tout. Mais et c'est vrai qu'on m'a déjà fait la réflexion en mode, ouais, c'est un peu une mise en abîme de la rue, de la soif et tout, tu vois. Plage Saint-Michel, c'est plus l'histoire d'un mec qui raconte son couple, en fait.
qui part un peu en couille au début et puis à la fin ils se remettent ensemble, tu vois. Ah, moi je sais que mon père il a beaucoup été touché par ce morceau, je sais que bah, Mago elle m'avait fait une réflexion, elle m'a... ouais mais on dirait que c'est plus que sa femme et tout, c'est l'alcool, genre il a replongé, nanana, je lui dis non meuf, c'est plage Saint-Michel, tu vois. C'est juste un mec qui tombe love, tu vois. Et parlant de la musicalité du morceau, bah j'avais juste envie de faire un truc différent en fait. Voilà, j'avais envie de faire du Julien Doré. Sérénité, parce que c'est un projet, genre, on va dire, plutôt serein, comparé à, voilà les morceaux que j'ai faits qui étaient vraiment, on va dire, anxieux, tu vois, genre Enfant Triste de la Ville, Didier, etc. Déjà, mes inspirations, on les voit dans ma chambre, du coup, je risque d'en zapper. Mais du coup, bah, musicalement, c'est des mecs comme Alpha One, Jazzy Baz, tu vois, Nekfeu, un peu, bah, j'écoute un peu de tout, en fait. Columbine, surtout, tu vois, Faudacé, qui est mon rappeur préféré. Bah en rapricain, j'écoute Mac Miller, Kid Cudi, XXXTentacion, Young Lean, j'écoute beaucoup de rap russe aussi, ça m'inspire au niveau des prods et tout. Ouais, Tequila Shot de Kid Cudi, qui est incroyable. C'est sur Man of the Moon 3, je crois. J'ai écouté l'album posthume de Mac Miller, c'est du lourd. J'écoute un peu de tout, Jeanne Bonjour, Peter Pan. Qui je pourrais faire? Bah déjà, Faudacé, voilà. C'est un peu de la triche, mais bon, ça marche quand même. Faudacé, parce que, vas-y, c'est mon rappeur préféré. Et là, je prépare un bête de projet. Je pourrais mourir heureux s'il est en feat dessus. Sinon, qui d'autre? J'aimerais bien faire un feat avec Peter Pan. Voilà, c'est un mec que je connais depuis le lycée. Ça fait des années voilà, qu'on doit se dire de faire un feat. Bon, il a arrêté le rap, mais je vais lui forcer. Hey, hey, les gens, c'est Théophile, le seul, l'unique. Du coup, merci à Ilville Media d'être venu chez moi, ça fait plaisir. Voilà, ils m'ont ramené du jus de pomme, c'est magnifique. Personne m'a ramené du jus de pomme, c'est trop beau. Mes réseaux bah, seront affichés juste ici. Enfin, je sais pas si on voit mon doigt, mais t'as capté. Du coup, j'ai sorti 3 projets. Briquet Violet, Balle de Sad Boys et 4-2-3 Paradise. Ils sont sur YouTube et SoundCloud. Il y a des morceaux incroyables, des clips incroyables. La suite arrive dans pas longtemps, voilà. Dédicace à tous les rappeurs rennais, sauf ceux que j'aime pas. Je les aime pas, c'est pour ça. Voilà, ils se reconnaîtront. Et du coup, bah, big up au SAS, RPZ, Rennes, tu connais, et bisous sur le monde. À bientôt. Harcelé violemment, enfermé comme dans couvent, tu baisais matinalement, tu te souviens plus de la veille, foncez quotidiennement, tu cries fuck gouvernement, le lendemain de ta voix, tu te souviens plus de la veille. Harcelé violemment, enfermé comme dans couvent, tu baisais matinalement, tu te souviens plus de la veille, foncez quotidiennement.